Hello tout le monde, aujourd'hui départ très matinal, il est tout juste 6h et je m'en vais retrouver quelques copines parce qu'après on va jusqu'à Figeac faire la Vélotoise. Nous on a choisi le parcours la Figeacoise qui fait 109 km pour environ 1700 de D+. J'ai voulu m'assurer de ne pas être en retard, du coup je suis en avance. Bien joué! Arrivé à Figeac, on a récupéré tout ce qu'il fallait pour la course. Et là, on s'occupe des vélos. Alors, je dois mettre ceci ici, mais du coup, ma caméra ne sert plus à rien. Copine Cannondale! Apparemment les départs se font assez rapidement donc on va commencer par s'échauffer. Comme vous pouvez le voir, on n'est pas devant, genre vraiment pas, on est vraiment au fond. En plus on est avec pas mal de parcours non chronométrés, donc des gens qui roulent plus tranquilles. Du coup ça va être très compliqué pour trouver un groupe. Je pense qu'on va avoir du mal à tenir des roues et c'est un peu dommage parce que du coup ça rend toutes les choses forcément plus compliquées. Donc on va voir comment ça se passe. J'aime pas les montées. Là, je suis au kilomètre 60. La montée fait quasiment 10 km, je crois. J'ai pas pu filmer avant. Ça allait trop vite, j'étais dans un peloton. Ce qui était cool, même si j'en ai chié. Donc, je peux pas vous montrer grand chose. Sauf quand je vais. Ça y est, j'ai fini. C'était trop dur. Je savais qu'il y avait du D+, mais je m'attendais pas à ce que ce soit en fait autant, qu'il y ait vraiment autant de montées. Ouais, c'était vraiment dur, donc j'ai réussi à prendre des roues dans des pelotons, en gros jusqu'au kilomètre 58. Sauf qu'après il y avait une montée en gros qui durait quasiment 10 km. Et là du coup c'était chacun pour soi. Donc c'était vraiment dur, je ne suis pas une bonne grimpeuse, donc pour moi c'était vraiment pas évident. Après j'ai eu du bol parce que du coup dans les descentes et sur le plat vers la fin, j'ai trouvé des gens super sympas qui m'ont laissé prendre leur roue tout le long. Ils voulaient même pas que je prenne de relais. Merci les gens de l'équipe d'Esper, vous êtes super sympas. Des 4 filles du club qui l'ont fait, je suis la dernière. Mais je suis pas arrivée ridiculement après. Mais bon, ça c'est sûr qu'avec tout le D+, j'ai juste pas pu faire aussi bien que les copines. Donc voilà, activité de la journée, sans polar, 545%. Donc je vous montre mes stats qui sont pas glorieuses, mais bon, si ça vous intéresse. Donc j'ai fait 4h14 pour faire les 108 km. Charge d'entraînement extrême. La fréquence cardiaque moyenne 156, max 182. J'ai brûlé tout plein de calories. Vitesse moyenne 25,6. Je suis allée jusqu'à 63, je sais pas comment j'ai fait. C'était dur. J'avais tellement faim. Je suis végétarienne, donc pas de paella pour moi. Mais j'ai eu du rocamba, du rhum et du melon rhum. J'ai fini 3e de ma catégorie. Wouhou! Du coup, je retourne à la voiture pour aller chercher mon maillot Cahors Cyclisme. La Vélotoise, c'est trop cool. C'est maintenant l'heure de repartir pour Cahors. Plutôt cool de repartir les mains vides avec les 3 autres copines qui sont venues. On a toutes fini sur le podium. Donc pas le podium scratch mais le podium de nos catégories. C'est déjà pas mal. Si cette vidéo vous a plu, dites-le moi. N'hésitez pas à laisser un commentaire. Je vous dis à bientôt.